Cette année, nous serons à la Japan Expo du 7 au 10 juillet. Et vous allez me dire, mais la Japan Expo, ça fait quand même 4 ans que vous la faites, qu'est-ce que ça change par rapport à d'habitude ? Petite historique de Voxmaker à Japan Expo. 2013, notre première Japan Expo, on avait juste une table. Voilà, une table qui était dans un coin entre des gens qui faisaient des bijoux fantasy et autre chose. Et on dédicaçait, on a fait 2-3 petites animations, et c'est tout. 2014, là on avait notre propre stand, il était minuscule, on tenait à peine derrière, mais on pouvait faire des animations, on a fait des tonnes d'animations très rigolotes, mais on bouchait un peu les couloirs quand on faisait la danse des internets, on a eu des petits problèmes avec la sécurité. 2015, on a enfin eu un vrai stand long, large, comme on pouvait, pour pouvoir faire nos animations. Et c'est là qu'on a commencé aussi à de plus en plus aller un petit peu sur scène. Et donc du coup, pour 2016, on va être de plus en plus sur scène. On ne fait même plus d'animation derrière le stand, on fait quasiment plus que des trucs dans différentes scènes. Or, qu'est-ce qu'il y aura comme animation ? Il y aura effectivement des EPB en live, il y aura Cyrix et son Cyrix Challenge en live. Comme l'an dernier, nous avions fait un spectacle qui mélangeait de la musique de Voxmaker et des sketchs. Et qui s'appelait « N'ayez pas peur, on vient d'Internet ». Eh bien, cette année, dimanche, on clôture un peu Japan Expo par « N'ayez pas peur, on revient d'Internet ». Voilà, un spectacle totalement inédit. Et il y a le Voxmaker Live Show. Alors, qu'est-ce que c'est que le Voxmaker Live Show ? Les gens pensaient à Montélimar, par exemple, que c'était juste un concert de Shindai, des EPB et de toute la musique de Voxmaker. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon, déjà... on a des musiciens sur scène, ce qui est quand même vachement bien. Mais aussi, tel qu'on l'a pensé avec Shindai et Lunatic, c'est qu'il fallait que ça soit une sorte de spectacle aussi, comique. Et donc on avait écrit des sketchs au milieu. Et un truc qui me faisait marrer, c'est qu'en fait, on fasse croire aux gens que ça soit présenté par Ermite Moderne, et qu'en fait, Ermite apparaisse 30 secondes au début, et qu'après, ça soit moi qui monopolise tous les sketchs qu'il y a entre les trucs, en expliquant aux gens pourquoi Internet, c'est de la merde. Et je me transforme en un personnage très méchant, qui déteste Internet, et qui a des arguments débiles. Le problème, c'est que j'apparaissais quand même sur la longueur d'un spectacle, sans y faire la pub. Donc du coup, maintenant je vous révèle un peu l'histoire, oui, c'est une espèce de faux spectacle avec moi dedans, et co-écrit par moi, voilà, tous les sketchs sont de moi. Donc voilà, il faut aller voir ça. Et aussi, il y a une nouvelle animation qui est une conférence jeu sur les mêmes. Parce que jusqu'ici, ce que je faisais avant derrière les stands, c'était des petits jeux un petit peu, quand on était 10-15 personnes, voilà, les chasses au trésor, des quiz sur les Voxmakers, enfin, c'était drôle, mais le truc, c'est que ça s'adressait à un tout petit public. Là, si je me retrouve à 50 personnes, je vais pas leur faire une chasse au trésor, ça n'aurait aucun sens. Du coup, je me suis dit, bah ouais, je vais faire une conférence sur les mêmes. Sauf que bon, la conférence, c'est un petit peu ronflant. Donc du coup, il y aura des jeux, il y aura des coupures entre les moments où je parlerai et des moments où j'inviterai des gens sur scène à répondre à quelques quiz à propos des mêmes. Voilà, donc ça, la petite conférence aura pour titre « Ils ont survécu à Internet » et racontera un petit peu toutes ces personnes qui sont tombées par erreur, sont devenues des mêmes par erreur et y ont réchappé, on va dire. Voilà. Désolé pour le changement de luminosité. Voilà où est le problème. J'ai écrit ce petit bouquin qui s'appelle 50 icônes du net à connaître pour vous la péter dans les soirées mondaines et que je vends sur le stand de Voxmaker. La première fois que j'en ai vendu, c'était à la Manga Mania à Montélimar. J'en avais rapporté une somme que je pensais assez modeste et au final, j'en ai vendu largement plus que prévu. J'étais assez étonné du nombre d'exemplaires que j'ai vendus. Donc du coup, on s'est dit, si sur une petite convention à Montélimar, en 2 jours, j'en vends tant que ça, à Japan Expo sur 4 jours,
Donc on a décidé d'en faire réimprimer. Assez pour qu'on ait pas de rupture de stock à Japan Expo. Le seul problème, c'est que je viens de recevoir les caisses aujourd'hui. C'est gros! C'est très gros! Le problème, c'est que je n'ai pas de voiture pour transporter tout ce bazar-là. Je viens en train ou en covoiturage. Et déjà, en covoiturage, ça va être l'horreur, mais imaginez, il va falloir que je me tape le métro à Paris, un endroit où il n'y a pas d'ascenseur, où t'as des escaliers. Et le pire, c'est que j'ai pas que ces caisses-là à porter. Moi, il faut que j'emporte mon matériel pour Japan Expo. Il faut que j'emporte de quoi faire des vidéos pour les faire avec vous. Que j'emporte des affaires pour me changer. Je veux pas devenir à poil à Japan Expo. Donc, il faut que j'emporte une valise. Une valise que je ne sais pas comment je vais transporter. Vu qu'une caisse est très lourde et qu'elle se porte avec les deux mains, j'en suis résolu à ce gros problème. Soit je m'achète un Sherpa. Mais du coup, ça va me coûter beaucoup trop cher. Soit j'en prends largement moins que prévu. Y a quand même deux caisses comme ça. C'est même en portant une caisse, même la moitié, voire les un quart de ce qu'on avait prévu de vendre. Et donc, du coup, si ça peut suffire pour le jeudi et le vendredi, et bah, peut-être que si vous avez prévu de venir le dimanche à Japan. Et il y en aura peut-être plus. Ou alors, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse le voyage entre Rennes et Paris le 6 juillet et qui vienne me chercher depuis mon immeuble et m'amène jusqu'à l'appartement dans le 5e arrondissement où je suis censé dormir. Là, ça me traîne une énorme épine du pied parce que on va me dire « Ouais, mais t'as qu'à aller chez Blablacar. » Oui, mais sur Blablacar, bon, déjà, les mecs, ils gueulent quand t'as un gros sac. Alors, là, il me faut quelqu'un aussi qui ait de la contenance dans son coffre pour pouvoir porter des caisses. Donc c'est même pas gros bagage, c'est extra gros bagage qu'il faut que je coche dans la case. Et qui en plus j'insiste pour que le mec vienne me chercher chez moi et qu'il m'amène à l'endroit où je veux dans Paris. Ce qui est quand même vraiment la galère. Des fois ça vous rajoute une heure de plus. Alors si vous êtes cette personne, contactez-moi, envoyez-moi un MP. Ça serait très très gentil de votre part. Je suis prêt à payer la course, ma part, comme si c'était un covoiturage normal, même un petit peu plus. Voilà.